Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 20 de notre aventure sur Death Stranding. Et c'est parti pour le monde des échoués, comme d'habitude. Évidemment, si vous le pouvez, 2K, 60 FPS, installez-vous confortablement. On va partir ensemble pour la continuité de notre aventure. Mettez-vous dans le noir, un casque ou deux écouteurs aussi. Faites votre petit pipi, histoire de ne pas être interrompu en pleine vidéo. Et puis, kiffez, kiffez. Allez, on est reparti. Nous sommes au studio de l'artiste qui râle. Souvenez-vous, on devait apporter un très 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 beau colis, mais on ne pouvait le porter qu'avec une main. Et on venait d'avoir une toute nouvelle combinaison, plutôt cocasse, si je puis me permettre. Il est donc temps de livrer la marchandise demandée. On va peut-être voir enfin cette femme que l'artiste pense être morte, mais pas du tout. C'est quand même incroyable, on commence chaque épisode avec une nouvelle livraison, c'est ça le plaisir aussi. Alors, vous êtes de Fragile Express? Non. Vous, vous êtes un porteur de chez Bridges, c'est ça? Je n'attendais pas de paquet. Rassurez-moi, c'est pas dangereux, j'espère. Ah! Ça alors? Je pensais pas revoir ça un jour. Laissez-moi regarder de plus près. Très bien, c'est un sablier. Oh. Incroyable. Pas la moindre égratignure. Je ne sais pas comment vous remercier. Et parti. Très bien. Bon, c'est un S, s'il vous plaît. Attendez. On commence que des épisodes avec des S par ici. Elle a intérêt à se connecter au réseau Kirol parce que sinon je vais bouillir. Allez, régalez-moi. Plus 1 et plus 1 encore. Deux niveaux supplémentaires. Mieux que rien. Alors, me voilà connecté au seul et unique réseau Kirol. C'est merveilleux. Je suis ravi de faire partie des UCA. Ah! Et en plus, ça rejoint les UCA. Vous savez ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un spray, déjà pour nettoyer toute la cargaison, et qu'on va pouvoir se recharger aussi. Ça va être très très cool. Donc, c'est parti, on va refaire du stuff. Et encore une nouvelle zone, une belle zone, très belle zone là. Oh là là, j'en ai vu des zones, mais alors celle-ci, les amis. Arme de poing anti-échouée, what the fuck? Le siège a fourni des... Ok, arme de poing anti-échouée. Très très bien. Cette zone est désormais connectée au réseau. Bonjour. Vous allez repasser, n'est-ce pas? Jamais. Hors de question, je préfère te le dire tout de suite en fait. What? Oh my god. Emmenez-moi avec vous. Oh, Sugoi. Première fois qu'on voit quelqu'un quitter le bunker. Il faut absolument que je le revoie. Tu vois mes lunettes de soleil? Fais-moi confiance, je te fais des clins d'œil en fait. Je l'ai fabriqué pour lui, vous savez. Quand les terroristes ont attaqué, j'étais avec ma mère. C'est à peine si on a réussi à s'en sortir en vie. J'ai fait ce que j'ai pu pour le retrouver ensuite. Je vous le jure. Mais je savais pas du tout où je devais chercher. Malgré tout, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Ma mère ne le portait pas dans son cœur. Elle avait d'ailleurs été très claire à ce sujet. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle aurait un jour osé aller jusqu'à me mentir. Alors, quand elle m'a dit qu'il était mort, moi, je l'ai cru. Jusqu'à ce que j'entende ce message. C'était lui. C'était vraiment lui. Je savais que j'aurais pas dû laisser tomber. Au fond de moi, je sentais qu'il était vivant quelque part. Mais je ne pouvais quand même pas abandonner ma mère. Alors j'ai fait de mon mieux pour accepter l'idée. Mais je ne pouvais pas.
Même si je le voulais, ce n'était pas possible. J'étais bloquée dans le passé. Incapable d'avancer. Je voudrais le voir. Je vous en supplie. Je suis prête à partir. Tout de suite, si vous voulez. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Bah reste là. Comment veux-tu que je t'emmène si tu repars? Très bien. Eh ben, très très bien. Accepter une nouvelle commande pour Sam. Ouais, alors attendez, déjà on va livrer une commande d'un bot, on va livrer ceci, voilà, ça c'est un peu gratuit. Je me prépare, je fabrique tout ce que j'ai à fabriquer, et on est reparti. Et évidemment, je vais pas vous montrer ce passage, parce que je sais que vous n'êtes pas très fan des phases de présentation, de préparation, pardon, et je vous comprends parfaitement. C'est une nouvelle chanson. Hey, il roule du cul ce bot, hein, dis donc. Hein. Allez, à tout de suite! Ça, c'est une arme de poing configurée pour tirer des balles hématiques, chargée de votre propre sang. De quoi infliger des dégâts aux échoués que vous croiserez. Le pistolet prélève le sang sur vous ou dans des poches pour remplir ses cartouches pendant l'utilisation. La durée de la pression sur la détente définit la quantité de sang dans la munition suivante. Plus vous appuyez longtemps, plus vous envoyez de sang et plus vous infligez de dégâts à l'échoué visé. Cela dit, évitez quand même de vous saigner à blanc. Très bien. Eh ben écoutez, déjà on va en fabriquer un, comme ça on va tester ça très rapidement. Voilà. On va fabriquer un CCP de niveau 1. Deux CCP de niveau 1. Voilà. Et un spray colmatant. Allez, on est de retour. J'ai grave fait le ménage. Donc j'ai envie de vous dire, bah c'est parti, on va prendre la commande et je pense qu'on va devoir transporter cette jeune demoiselle qui veut retrouver son mec mortel et l'emmener au ferrailleur. Donc c'est parti, on va pas poser trop de soucis. Vous le savez, vous allez transporter un être humain vivant, ça va vous changer. Il va sans dire que tout impact important ou chute risquerait d'occasionner des blessures chez votre cliente. Alors avancez plus prudemment que jamais. Vous croyez que je peux la tuer? Ce serait énorme. Ok. Et je l'ai embaumé, hein. Je l'ai embaumé, hein. Allez, viens là, la momie. C'est parti, je m'occupe de ton cas cette fois. Je vais tenir le sablier. Je veux pas qu'il se brise. Ouais, ferme-la. Elle rentre là-dedans. Voilà. T'es prête, la momie ? Commande attribuée. Bon ! ouais. C'est parti. Alors, arme de poing. Quoi? L'utilisation d'armes est interdite. Ah bah oui. Ok. On va sortir tranquillement. Oh là là, il y a déjà tout sous goy. Il y a tout installé. Ok. Très très bien. Oh, c'est très bon ça. Oh, c'est très bon ça. Bon. Alors, il faut que je l'emmène où celle-ci? On va profiter de l'abri quand même. On va profiter de l'abri. Ce n'est pas plus loin d'ici. Attends. Observez la proie. Là où la bouillotte se répand. C'est comme ça.
d'un trou sans fond qui peut vous avaler entièrement. De quoi tu parles ? En tout cas, c'est ce que disent ceux qui utilisent ces engrais. Mais j'en ai rien à foutre ! Débarrasser les déchets contaminés par le pyralium. Allez ! Et les cadavres. Mais ferme. Ah, ils ont tout construit, ils m'ont mis royal. Juste dormir et on est reparti. Transporteur est assez loin, c'est bon ? Bon, elle a pas dormi, hein. Détacher le transporteur ? Non, il est attaché, on est très très bien. Allez, c'est parti. Allons-y, let's go ! C'est parti, les amis, direction okay, 300 mètres. Et les cadavres. On va voir ce que ça va donner. Et si vous n'avez pas le temps de les incinérer, pensez à la fin. Qu'est-ce que tu dis, putain ? Ferme-la. Bon, de toute évidence, on peut pas courir. On peut vraiment pas courir avec un putain de corps. Dans le dos. Donc on va réessayer. Ouais. Peut-être qu'en jouant avec les L2R2, il y a moyen. Oh, c'est terrible. Ok, non, c'est trop risqué. C'est beaucoup trop risqué. Non, attends, attends. Je suis juste en train de marcher. Ok, 600 mètres. On a fait que 100 mètres. C'est terrible, on a déjà presque plus de batterie. Très bien. Hein ? Petite musique, et ben c'est parti, on apprécie. On stoppe la musique, hein. Ça s'arrête immédiatement. Fin du rêve. C'est parti. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà utilisé le spray anti-colmatant. Donc tout est à neuf. Reste avec nous. Parce que si je te ramène et que tu fais 70 ans, on est dans la merde. Oh, dommage, j'aimais bien la musique. Ah.
Ok. La merde, ça. Pas très bien. Ok, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr. C'est la merde, hein. It's okay, it's okay. Si je refais normalement le chemin à pied tranquillement, exactement le même chemin, on est très très bien. J'ai retrouvé mon chemin, comme quoi, tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie, toutes les routes mènent à Rome. Ou pas. Ah, ok. 200 mètres, c'est vite fait. Non, ça va ? C'est rien, c'est rien. Oh là là. Tiens. Allez. C'est rien. Voilà. Allez, c'est bon. Oh, c'est chiant. Hein. Que souffrance. Donc je disais, en suivant ma route, normalement il devrait y avoir aucun putain de problème. Je vois rien. Je crois que j'ai mal choisi ma date de naissance. Putain, c'est un enfer. Vraiment, hein, la date de naissance, je pense vraiment que c'est un appart, soit. Ça a son impact sur la difficulté du jeu. Allez, on y est bientôt. Aucun souci. Allez, let's go. Plus aucun souci. Et ben voilà! C'est très bien ça! On dirait qu'on a réussi à s'en sortir en un seul morceau. Ouais, allez, ferme-la. C'est pas grâce à toi, hein? Bon! On est arrivé! Allez, il pleut, on va se dépêcher avant que tout s'abîme trop. Parce que sinon, ça risque d'être un peu terrible. Allez, bonne chose de faite, il pleut plus tard ici. Identifiant Fragile Express confirmé. Très très bien. Toutes les armes seront désactivées. On va dépérir. Let's go! Bienvenue. On lui livre sa femme qu'il pensait morte. Et comme ça, normalement, on sera connecté aux UCA. Et ça, c'est plutôt cool. Beaucoup de choses ici. Hein. D'où Jésus. Voilà, comme ça, on va pouvoir se restuff. Oh, attends. Oh, petite cascade. Ça, c'est assez terrible, malheureusement. On peut plus rien faire quand il est dans sa chute. Arrête, putain, c'est normal. Allez, go. On lui livre! Hey. Oh, attends. Hop. Et ben voilà, en plus. Regardez. Ça, c'est des bots qui livrent, ça. C'est du cerf. C'est normal, c'est un bot. Hein. Le bot, il était en difficulté, à mon avis, extrême. GG. Allez, faire une livraison. C'est parti, on livre la demoiselle. Merci, Bridges. T'es vivante, c'est dingue. C'est ce que j'allais dire, Andouille. Je croyais que t'étais morte.
Ma mère m'avait dit que tu étais mort. Je l'ai gardé tout près. Tout le temps. Mais il fonctionne plus. Depuis l'attaque. J'ai bien voulu le réparer. Pour que le sable coule à nouveau. Mais j'aurais eu l'impression de tourner la page. De t'oublier. Eh ben, il est temps de tourner la page maintenant. Ensemble, toi et moi. Si tu es prêt. Évidemment. L'homme que j'ai connu ne vendait pas de ferraille. Il réparait des choses, leur donnait une deuxième chance. Récupérer les petits morceaux, faire en sorte d'en tirer le maximum. Moi aussi, c'est ce que je fais de mieux. Mais en ce qui concerne celui-là, il est inutile. Le seul temps qui est vraiment important, c'est celui qu'on passera ensemble, toi et moi. Est-ce que tu voudrais qu'on compte ces moments sans son aide, tous les deux? Je te demande si tu veux m'épouser, Andouille. Je le veux. Bien sûr. C'est oui. Et encore une chose. Quoi? N'en veux pas à ma mère. Je t'en prie. Dis-lui qu'on ne veut plus être séparés. Il faut que tu l'aides à comprendre et à se faire à l'idée. Parce qu'elle a besoin de nous. Et j'ai besoin d'elle. D'accord. Je suis doué pour recoller les morceaux. Et ben c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a une petite morale derrière tout ça évidemment. Et je pense que cette histoire, à mon avis, Hideo Kojima ou un de ses proches a dû le vivre. Je pense pas qu'elle soit anodinement placée ici. Give up. Une nouvelle musique de débloquer. Et là regardez, regardez. Il est content, c'est un homme heureux. C'est un homme heureux. Et c'est un niveau. Oh là là là, ça monte. Regardez, regardez. Oh là 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 là. Oh mais tout va tout. Oh là là. C'est incroyable, tout va extrêmement vite. C'est encore un niveau qui a été fait. Je suis désolé, j'ai pas été correct. J'ai été con avec vous et Fragile. Je veux repartir sur de bonnes bases avec elle. Et même si ça m'étonnerait que je sois un jour capable d'en faire autant que vous, je ferai tout ce que je peux. Je sais remettre les choses à neuf. N'oubliez pas. Les UCA peuvent compter sur moi. Il va falloir que je m'y habitue, mais le moment est venu. On va rejoindre le réseau des UCA. Je vous décevrai pas. C'est juré. Jamais on ne vous oubliera. Merci. Il parle pas, c'est dommage. Il parle pas aux inconnus. Ah bah on lui a dit depuis tout petit. Et ben voilà. Allez, on rejoint enfin les UCA sur cette partie de la map qui était bien chiante à faire en aéroport. Chose de faite, on continue notre avancée, ça avance, mine de rien, le ferrailleur nous rejoint, et squelette de célérité, donc on a les plans, on va pouvoir en construire, bombe neutralisante, très bien, on verra un petit peu plus tard, interview, prepper, le ferrailleur
et un monde asexué. Très bien, on a déverrouillé des choses à lire. Et la zone est désormais connectée. Sam, cette région est déjà intégralement connectée au réseau chiral. Passez à la zone suivante. Pour connecter le relais du sud, vous devrez effectuer une livraison depuis le relais du lac. Hein ? Là, je suis pas sûr de comprendre. Pourquoi on les laisse pas accéder au réseau pour imprimer ce qu'ils veulent ? Parce que vous ne pouvez pas tout imprimer. Mais vous le savez déjà, ça. La nourriture, les médicaments, les matières organiques, comme votre sang par exemple, qui s'est révélé si efficace contre les échoués. Rien de tout ça ne peut être envoyé sur le réseau. On ne peut que les transmettre à l'ancienne. Les habitants de la ville relais du sud ne se sont pas encore remis de la dernière attaque. Pour survivre, ils vont avoir besoin de tout l'équipement que le relais du lac peut leur faire passer. Retournez-y et prenez la commande. On l'en fait. Et au fait, il doit sûrement vous arriver de rentrer au bercail les mains vides, je me trompe ? Je pense que c'est du gâchis. Profitez de ces occasions en vous assurant d'avoir toujours une marchandise sur le dos. Tenez, nous venons de recevoir une nouvelle demande du ferrailleur. Une demande conjointe de lui et de l'artiste Kiral, on dirait. Ce serait notre intérêt à tous, si vous pouviez vous charger de ça. Vous en saurez plus au terminal. Attention, Sam. Je détecte un niveau Kiral anormal au nord de la ville relais du sud. Les relevés montrent des précipitations dans cette zone. On dirait une sorte de tempête, mais c'est la première fois que j'en vois une d'une telle intensité. Enfin, quand je dis voir, j'exagère, parce que très franchement, je vois pas grand-chose. La tempête doit être maintenant au niveau du labo, mais avec le bébé, je peux pas aller vérifier. J'ai pas l'impression qu'elle ait fait quelconque dégât, mais si vous pouviez aller jeter un coup d'œil pour moi, sans vous mettre en danger, bien évidemment. Eh ben je reconnais ça, c'est la merde. C'est totalement la merde, et on va prendre tout ce qu'on a à prendre, tout simplement. Commande standard, oh lolo, il y a de la commande là, livrable là. Like maximum, allez on va livrer ça les gars, bien sûr. Allez c'est parti, écoutez on va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se dit à très bientôt, portez-vous bien et faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt tout le monde.